Donc, bonjour à tous et bienvenue pour cette webconférence Rénovation performante de l'enveloppe, risque et bon réflexe. Je suis en présence de Samuel Courget aujourd'hui, donc qui va être notre intervenant expert. Un petit passage sur le sommaire pour voir que je vais vous dire deux mots en introduction sur le projet phare et les webconférences qui vont venir dans le cadre de ce projet. Et puis ensuite, je laisserai la place à Samuel Courget donc, pour qu'il présente et puis il enchaînera tous les sujets autour de l'enveloppe, de l'isolation de l'enveloppe en rénovation. Juste pour rappel, l'objectif, ce n'est pas d'être exhaustif hein, sur le sujet. C'est plutôt, ça sera l'objet d'un livre entier hein, de parler de ce sujet-là. Mais voilà, on a sélectionné quelques thématiques que Samuel va vous détailler donc, au long de sa présentation. Et puis moi, je reviendrai en conclusion pour vous apporter quelques outils complémentaires qu'on a pu développer dans le cadre d'autres programmes et qui pourront peut-être vous aider à hiérarchiser un petit peu des points de contrôle. Et puis enfin, il y aura une large place qui sera laissée aux questions et à l'échange avec Samuel pour profiter de sa présence sur des questions que vous pouvez avoir. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui se sont inscrits via le MOOC. Donc vous avez peut-être aussi des questions sur ce MOOC où Samuel était intervenu également. Donc voilà. Sur la slide suivante, du coup, un petit récap sur ce qu'est le projet phare, donc dans le cadre dans lequel s'inscrit cette webconférence. Samuel, si tu peux passer sur la slide, alors il y a peut-être un petit délai de latence, voilà, Super, super. super, super. Super, super. Donc c'est un projet qui est porté par un consortium d'acteurs, dont le chef de file est l'ASDER, pour ceux qui connaissent. Mais voilà, il y a tout un tas d'acteurs qui accompagnent ce projet, dont notamment l'INES, l'Institut National de l'Énergie Solaire, l'Agence Qualité Construction, donc la QC, des acteurs de la formation, notamment Greta, AFPA, l'Éducation nationale. Le CMQ Transfrontalier Construction Durable Innovante. Il y a aussi une entreprise innovante de formation qui s'appelle La Solive, Pôle emploi également. Il y a d'autres représentants tels que la CAPEB, le cluster éco-bâtiment, et puis tout un tas de petites autres entreprises qui se sont associées au projet. Ce projet, donc, il vise à accélérer et massifier la rénovation énergétique des bâtiments en se donnant l'objectif de former 150 000 nouveaux professionnels à l'horizon 2030. Et la cible, elle est essentiellement les professionnels que vous êtes soit en formation initiale, soit en formation continue, et puis aussi tous les professionnels qui sont en reconversion pour leur donner vraiment les outils de base sur ce sujet de la rénovation. Donc c'est dans ce contexte que nous, on s'est inscrit aussi côté AQC avec la participation, donc concrètement, donc le développement de quatre webconférences qui permettent des temps d'échange sur différents sujets. Donc le premier, c'est celui de l'enveloppe. Le prochain sera certainement autour du photovoltaïque avec la participation de l'INES. La date n'est pas encore programmée, mais globalement, il y aura quatre webconférences par an pendant 4 ans. Donc voilà, ça sera des rendez-vous réguliers. Donc moi, je vous inviterai en fin de présentation aussi à vous inscrire à la newsletter du dispositif REXBP qui vous permettra d'avoir les dates au fur et à mesure des échéances qui seront posées pour ces webconférences. Donc 4 par an sur 4 ans, donc c'est au long cours. Et puis, autre sujet sur phare, donc les trois axes principaux qui vont être développés au-delà de cette webconférence, qui est une petite brique hein, dans phare. Le premier axe qui est de développer de nouveaux parcours métiers, donc ça c'est vraiment dans le cadre de la formation. Un deuxième axe qui est celui de développer, mutualiser et diffuser des outils pédagogiques innovants. Donc c'est dans ce cadre-là que nous on s'inscrit avec la webconférence et également avec le MOOC Rénovation Performante qui se joue actuellement mais qui sera rejoué aussi en fin d'année dans le cadre de ce programme phare où il y aura d'autres activités complémentaires qui vont être développées au cours de l'année en fonction des retours qu'on va avoir. Et enfin dans ce programme phare, le troisième axe qui est celui d'améliorer l'attractivité des métiers de la rénovation énergétique. Voilà ce qu'il y a de la capsule un petit peu dans laquelle on se trouve avec ces webconférences. Donc je reviendrai en fin de présentation. Je vais laisser la parole à Samuel qui va vous montrer un petit peu le sommaire des points qu'il va aborder. Et puis je vous retrouve tout à l'heure pour la partie questions-réponses. Donc, merci Samuel. Je ne savais pas si c'était toi ou moi qui me présentais, donc j'ai passé le slide qui Eh me bien, je te présente. laisse te présenter, ce sera plus vrai. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une histoire de Samuel. Après Samuel Dossé, Samuel Courget. Alors, pour me présenter rapidement, hein, je suis expert de plusieurs sujets liés au bâtiment et à l'approche environnementale. Et on a créé une association avec des professionnels du bâtiment il y a une trentaine d'années. Pourquoi? Parce que, en fait, on s'était intéressé à des sujets nouveaux.
par exemple, l'utilisation de végétal. Maintenant, on parle de biosourcé, mais il y a 35 ans, le terme n'existait encore pas. Et par exemple, ma première maison chanvre, béton de chanvre, date de 1990, la première maison paille de 91. Donc, on a essuyé les plâtres, tout ça. Et puis, quelques années après, on a vu qu'il y avait plein de nouveaux acteurs du bâtiment qui arrivaient, qui faisaient les erreurs qu'on avait faites avant. Donc, des erreurs de débutants, alors que nous, on avait appris depuis. Donc, on a créé une structure qui a pour but de faire de la veille technique et de la transmission d'informations par des formations, par des webinaires, par des livres ou des articles techniques. Alors, quand j'ai découvert la QC, ouvertement, j'ai été séduit. Donc, là, ça fait plus de 30 ans maintenant que je connais la QC. Et j'ai été séduit, entre autres, ces dernières années, par l'approche faite sur les retours d'expérience. Parce qu'on est complètement en phase avec l'approche qu'on avait, nous, de dire, on a une expérience, ça marche souvent. Quelquefois, ça ne marche pas tout à fait comme on le souhaiterait. Pourquoi donc rectifier très vite? Et là, je mets en avant, donc vous avez sous les yeux là, une collection que je vous conseille parce qu'elle est hyper, hyper accessible. En une demi-heure, vous lisez ces petits documents qui présentent 12 malfaçons, 12 gestes non appropriés, et qui les explique, qu'est-ce qui déconne dans ce geste non approprié et quelle est la bonne pratique par rapport à ça. Donc, c'est une collection que je vous conseille vivement. Et puis, suite, c'est dans la dynamique de cette collection que la QC a proposé le MOOC Risques et bons réflexes. Et effectivement, dans le cadre d'un MOOC, on va plus loin. On peut gérer les interfaces, alors que dans la première collection de documents écrits, de petites plaquettes, de petits documents écrits, je dirais, c'est sujet par sujet. Et on a du mal d'entrevoir une approche globale par rapport à ça. Et puis, il y a l'opportunité qui nous est faite là d'avoir un échange en direct. Donc, il y aura du temps pour les échanges, pour les questions, tout ça. Et en tout cas, je remercie la QC de m'avoir invité pour ce rendez-vous, où finalement, j'ai choisi plusieurs sujets pour lesquels j'ai l'impression qu'on peut aller un peu plus loin par ce temps spécifique. En tout cas, chaque support enregistré, pour celles et ceux qui sont formateurs ou qui s'intéressent à la formation, chaque support a des limites, mais aussi des opportunités. Et la webconférence a des opportunités par rapport à ça. Alors, l'objectif de la QC, mais aussi d'Arcane, c'est améliorer la qualité des prestations, améliorer la qualité des bâtiments, des réhabilitations, des constructions neuves, des choses comme ça. Et on va s'enrichir là, on se met dans la dynamique de l'approche retour d'expérience. Et je vais vous proposer 5 approches, 5 sujets. On va parler du diagnostic, de l'état des lieux. On va parler d'ITE, dans le cadre de l'ITE, de l'isolation par l'extérieur, on va parler majoritairement des ponts thermiques. On va parler d'ITI. On va profiter de parler d'ITI pour parler d'une problématique qu'on a quand même à gérer en ITI, et vous comprendrez pourquoi, c'est la problématique de l'humidité. On parlera un petit peu des isolants biosourcés et des traversées de parois. Alors, j'attaque le premier sujet, le diagnostic. Alors, le diagnostic, quand je parle de diagnostic, c'est le gros diagnostic état des lieux qu'on fait quand on approche un bâtiment. D'accord. Alors, il y a une maldonne chez certains qui découvrent tout ça et qui se disent « Ah ben, le diagnostic énergétique, c'est le diagnostic ». Non, le diagnostic énergétique fait partie du diagnostic technique et architectural qu'on doit faire quand on appréhende un projet. D'accord. Sachant que l'artisan ou l'entreprise qui arrive sur un projet va faire le diagnostic de la partie ou de l'élément ou de la partie du bâtiment sur lequel il va intervenir. Alors que l'architecte et le maître d'œuvre devront faire cette approche globale pour l'ensemble du bâtiment. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose quand on parle de diagnostic technique et architectural ou de diagnostic court, diagnostic état des lieux. Ce n'est pas tout à fait la même chose pour l'architecte, le maître d'œuvre ou pour l'entreprise. L'artisan, d'accord. L'entreprise d'artisan, c'est moins global, c'est pas forcément le bâtiment dans son entièreté.
D'accord? Et souvent, donc, il y a des acteurs qui découvrent tout ça, hein. Le client, par définition, n'est pas un professionnel du bâtiment. Et le client, il a entendu parler diagnostic énergétique et il croit que le diagnostic, c'est ça. Non, le diagnostic état des lieux, la première action à avoir quand on est face à un projet, donc découvrir le bâtiment, je dirais, n'est pas résolu par le seul diagnostic énergétique. Alors, par rapport à ça, on va s'intéresser au diagnostic qui est une étape primordiale pour le projet et par le prisme de l'approche de l'artisan et de l'entreprise. L'objectif, c'est de comprendre le bâtiment, au moins la partie du bâtiment concernée. Et par rapport à ça, c'est clair que j'ai trouvé très bien le MOOC. Alors, je n'ai pas eu le temps de suivre l'ensemble des grains pédagogiques du MOOC Risque et Bon Réflexe, mais en tout cas, j'en ai regardé pas mal. Et puis, je suis intervenu, moi, je suis intervenu dans deux vidéos. Et en tout cas, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans l'approche-là. Et j'espère que vous retirerez de ce MOOC l'importance de prendre le temps en amont pour faire un vrai diagnostic. Donc là, j'amène trois images qui montrent trois formateurs, formatrices qui parlent du diagnostic et de l'importance du diagnostic. Le premier, c'était par rapport aux baies vitrées. Le deuxième, celui du milieu, c'est par rapport à la charpente et l'isolation haute. Et le troisième, c'est par rapport à l'isolation des murs. Par rapport à ça, on va aller un peu plus loin. Diagnostic et préconisation, c'est comme ça que l'AQC et l'ASDER ont nommé plusieurs vidéos. Et effectivement, le diagnostic est important et le diagnostic va aboutir tôt ou tard à une préconisation. J'amène simplement un petit élément, mais je dirais, qui aurait amené dans le titre de ces vidéos une rallonge qui n'est pas forcément bien en termes pédagogiques d'avoir des titres à rallonge, des choses comme ça, mais entre le diagnostic et la préconisation, il y a l'acceptation du support. À partir du moment où une entreprise fait un devis, c'est qu'elle a accepté le support, c'est qu'elle valide le support, excepté si dans le devis, il est noté que des réticences, des réserves par rapport au support en disant le support devra être amélioré ou une première phase devra être réalisée par nous ou par d'autres pour adapter le support par rapport à ça. Donc c'est une chose importante et j'amène en rappel, donc le petit écrit qui est là, on ne recouvre pas une paroi qui dysfonctionne ou qui risque de dysfonctionner. Et si c'est le cas, il faut corriger ou faire corriger ce fait. Et je vais donner l'exemple dans quelques minutes des remontées capillaires. Voilà. Quand on isole un mur par l'intérieur ou par l'extérieur, ben, les documents techniques dont on se sert pour accompagner notre geste, donc le DTU, un DTU, un cahier de prescription technique, un avis technique et autres, des règles pro, des choses comme ça. Souvent, il est noté que c'est fait pour des murs ou des parois sèches, saines. D'accord? Si la paroi ne l'est pas, on doit travailler en amont pour la rendre saine. Et puis, deuxième alinéa que je mets là, on vérifie que la solution que l'on entrevoit est adaptée à la paroi concernée, à son état. D'accord? Donc, c'est un travail à faire entre le diagnostic. Avant, entre le diagnostic et la préconisation, en tout cas, c'est une vérification à faire par rapport à ça. Alors, on va parler un petit peu des remontées capillaires parce que, en fait, j'ai choisi plusieurs points dans cette conférence, plusieurs points qui sont peu documentés. D'accord? L'AQC est une des structures qui les documente plutôt le mieux par rapport à ça, mais c'est plutôt des points qui sont peu documentés dans la littérature technique. Donc, c'est pour faire avancer le schmilblick et amener, pour créer une dynamique autour de ces points-là, que je les ai choisis là pour vous les présenter aujourd'hui. Alors, quand on a des traces de remontée capillaire, ben, il faut savoir si c'est exceptionnel, si la situation est acceptable en l'état ou n'est pas acceptable en l'état. Parce que, en tout cas, enregistrer qu'on ne peut pas isoler un mur
sans tenir compte du fait qu'il soit humide ou pas. D'accord? Donc la première question, la première photo de gauche, là, on peut dire, bon, si les remontées capillaires, c'est simplement, si elles n'ont comme seule incidence, une incidence visuelle sur 30, 40 cm maxi, 50 cm maxi, les quelques jours de beau après une période pluvieuse, et qu'il n'y a aucune trace d'humidification côté intérieur, ben, on va peut-être partir du principe que c'est secondaire, on va quand même chercher à comprendre et faire pour les diminuer. Mais ce ne sera pas le même stress que dans la situation de la photo du milieu, où là, si vous avez ce genre de situation, c'est-à-dire avec des remontées capillaires, remontées de l'eau ascensionnelle qui monte jusqu'à 1,50 m, 2 m, et quand on arrive à oxyder des enduits ciment, comme c'est le cas sur cette photo-là, c'est une preuve que le mur est humide sur des longues périodes. D'accord ? Donc là, effectivement, il faut en tenir compte et on ne va pas s'autoriser du tout, absolument pas s'autoriser, à intervenir sur ce type de mur avant de résoudre la problématique des remontées capillaires. Et puis, la troisième photo à droite, où vous voyez une espèce de barbe cristalline blanche de poser là, eh bien, quand vous avez de l'humidité ascensionnelle, il faut aussi répondre à la question, est-ce qu'elle véhicule des sels ou pas? Parce que si elle véhicule des sels, il va falloir en tenir compte dans le traitement de la situation. Alors, par rapport à ça, comment est-ce qu'on gère une opération quand vous avez des remontées capillaires? Eh bien, la première étape, si vous avez des remontées capillaires, c'est que le sol est humide. Donc, posez-vous la question, pourquoi le sol est-il humide? Le sol qui se retrouve au pied du mur. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est anormal? Quel type d'humidité? Des choses comme ça. Voilà. Une situation grotesque, mais qui arrive quand même assez souvent, c'est qu'on a un mur qui a des remontées capillaires, un seul mur, d'accord? Et le mur sur rue, par exemple. Voilà. Alors, il faut essayer de comprendre pourquoi. Et il n'est pas rare que ce soit simplement l'explication, soit parce que les réseaux communaux sont fuyards. Donc, vous comprenez l'importance, avant de sortir la grosse armada pour corriger la chose, eh bien, je dirais, si c'est des conduites communales, urbaines, qui fuient, je dirais, voilà, en tout cas, pour le projet, je dirais, ça va faciliter la chose, puisque, en tout cas, il n'y aura pas une dépense particulière du client pour corriger la chose. Donc déjà, comprendre pourquoi le sol est humide, et puis si la raison est trouvée, il faut corriger cette réalité-là. D'accord ? Quelquefois, on ne comprend pas pourquoi le sol est humide ou on n'arrive pas à corriger ce fait-là. La deuxième situation, la deuxième question qu'on se pose, si jamais ça ne suffit pas, il faut comprendre pourquoi le mur s'humidifie. D'accord ? Dans la situation, dites-vous que le mur ancien, dans sa situation originelle, il avait peu, voire pas de remontée capillaire. C'est-à-dire que s'il en a aujourd'hui, surtout s'il en a beaucoup, c'est qu'il y a quelque chose qui a dysfonctionné. Il y a eu une intervention non à propos entre la situation originelle et la situation actuelle. Donc, il faut essayer de comprendre la chose. Donc, si une raison est trouvée, corriger ce fait. Troisième situation, si ça ne suffit pas, se poser la question pourquoi le mur sèche potentiellement difficilement. D'accord ? Si une raison est trouvée, corrigez cette. Donc, j'amène cette situation-là et alors, souvent, c'est les acteurs de l'isolation qui sont embêtés par le fait qu'un mur soit humide. Voilà. Et souvent, c'est les maçons ou les terrassiers qui connaissent plus le fonctionnement du bas de mur. D'accord ? Donc, si vous, en tant qu'entreprise d'isolation, vous ne connaissez pas la chose, ben, il faut savoir déléguer ou trouver un partenariat avec un acteur, ça peut être aussi des ingénieurs de bureaux d'études ou des architectes spécialistes dans le patrimoine, des maîtres d'œuvre spécialistes dans le patrimoine. Et si jamais aucune de ces trois pistes ne donne satisfaction, eh bien, il faut faire appel à une entreprise spécialisée pour traiter les bas de mur. D'accord ? Et si j'amène ça, vous voyez le sens, j'amène ça en situation 4,
D'accord? Le réflexe n'est pas de contacter une entreprise spécialisée pour la faire intervenir, parce qu'elle va vous vendre son process. Voilà. Pourquoi faire de l'injection de résine sur un mur quand le mur est humide? Parce que le drain qui était à l'origine a été abîmé et qu'il suffit de refaire le drain, par exemple. Donc ça, c'est l'histoire racontée par rapport au ce que je vous présente par rapport aux remontées capillaires. En tout cas, enregistrez qu'une chose à dire très vite au client quand vous avez des remontées capillaires. Quelle que soit la rapidité que vous allez mettre, vous, à comprendre, corriger la situation, il faut préciser au client qu'il faudra plusieurs mois, voire des fois cette période atteint 6 à 9 mois si vous avez certains sels avec les remontées capillaires, plusieurs mois pour que le mur sèche avant de pouvoir l'isoler. Excepté si vous mettez en place la solution de la cloison de doublage avec lame d'air, je cite, c'est celle qui est définie dans le DTU 20.1 jusque dans sa version de 2008. Ici, de nouveau, je fais référence à la vidéo que celles et ceux qui ont suivi la dernière semaine du MOOC sur les parois ont entendu, où on a le formateur qui nous fait un diagnostic ou qui se pose plein de questions sur le mur de cette vieille maison. Quelquefois, l'ITE est impossible, pour des raisons patrimoniales, entre autres, et l'ITI est très complexe. Et il y a une solution technique qui est peu connue en France et qui a été repérée par l'AQC dans un de ses livrets, c'est la réalisation d'un enduit isolant. Alors je vous présente là les enduits isolants. Donc on peut me dire je fais de la pub, mais j'ai essayé d'être exhaustif, donc je fais de la pub pour tout le monde. Je vous présente là les enduits, c'est du prêt-à-emploi. Ce sont des enduits qui ont quasiment le lambda d'un isolant. Leur lambda oscille entre 0,028 et 0,07. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 enduits qui vont soit côté intérieur, soit côté extérieur. Et un neuvième, c'est la petite ligne en dessous, qui montre un enduit, mais qui est à base de terre, qui ne va lui qu'en intérieur. Et ces produits ont quasiment le lambda d'un isolant. Et je vous présente là. Donc, enregistré, hein, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, ce n'est pas la valeur R, la résistance thermique, qui renseigne la performance d'une paroi, c'est son inverse, c'est la conductance U qui nous renseigne de comment une paroi est déperditive ou isolante. D'accord? Et je vous présente là la variation du U entre un mur de pierre non isolé, où le U de tête est autour de 1,75, 1,80. Et cette évolution en fonction des centimètres d'enduit que je fais, en fonction des deux extrêmes des enduits isolants que j'ai repérés tout à l'heure, 0,028 pour la courbe bleue et 0,07 pour la courbe mauve. Et dans un projet, souvent, on va essayer pour chaque paroi d'atteindre le niveau BBC. Sauf que quand je ne peux pas faire une isolation d'un mur, ça va être difficile. D'accord? Donc, par rapport à ça, je vous repère là le repère, je vous renseigne du repère BBC, donc un U de 0,25, et je me dis, et si je me contente, parce que je ne peux pas vraiment isoler, de la moitié du chemin? La moitié du chemin, c'est quand même pas mal. D'accord? C'est-à-dire que vous êtes entre la déperdition, un mur très déperditif au départ, et un mur, on va dire, idéal pour atteindre le niveau BBC. À terme, donc c'est la limite repère BBC. Et bien l'entre-deux, vous voyez que vous y êtes dès 1,3 cm d'enduit très très isolant, très très performant, et 3 cm. Voilà. Donc simplement pour que vous réalisiez que si jamais, c'est une solution par défaut, mais quelquefois on ne peut pas isoler, d'accord? Enregistrer qu'entre ne pas isoler et isoler, il y a un entre-deux qui consiste à appliquer un enduit isolant. Pour finir rapidement sur les enduits isolants, vous savez que quand on fait une isolation par l'intérieur, qu'on a des dalles béton ou des refends maçonnés, on a un immense pont thermique. Ben, enregistrer qu'en faisant côté extérieur un enduit isolant, on arrive à calmer fortement ce pont thermique et donc à limiter très fortement les condensations à l'intérieur de ce nœud.
très rapidement, là, donc si Samuel regarde son timing, le premier chapitre était beaucoup plus long que les autres. D'accord, je le développais plus. Maintenant, l'isolation par l'extérieur, les ponts thermiques, eh bien, je vous présente là trois types de ponts thermiques. Le pont thermique d'Abou Dhal, selon le type de bâtiment. À gauche, on a le pont thermique avec unité d'Abou Dhal avec une ITI, pour un bâtiment collectif, donc mur béton, dalle béton, ancré dans le mur là. Et on a une valeur PSIS de 0,99 watts par mètre Kelvin, c'est ce qui indique l'intensité de ce pont thermique-là. L'exemple du milieu, c'est la même situation en maison individuelle, donc on a des parpaings et une dalle poutrée lourdie. Et à droite, vous avez la solution ITE. Et vu que le PSI, on n'a pas trop l'habitude, ben finalement, je renseigne cette déperdition d'une autre façon. Je prends une hauteur d'étage, 2,50 m d'étage, 18 cm de dalle, d'accord, et je regarde ce qui passe dans les 18 cm de dalle sur une hauteur d'étage. Donc, je me mets en façade, je regarde sur 2,50 m plus 18, donc sur 2,68 m de façade, je regarde ce qui passe par les 18 cm de dalle. Eh bien, vous vous dites que dans la première situation, j'ai plus de la moitié de la déperdition de mes 2,68 m qui passe par la dalle. Ici, encore 52%, et pour la solution ITE, seulement 3%. En France, quand on parle de pont thermique, on pense à ce pont thermique-là. D'accord ? J'ai même, je connais même des thermiciens suisses et allemands qui appellent ce pont thermique d'ITI, celui qui est à gauche, là, à gauche et au milieu, ils appellent ça le pont thermique à la française. Donc, au cas où vous ne le sachiez pas, en France, on a du bon fromage, on a des bons fromages, on a du bon vin, et au niveau pont thermique, on se débrouille pas mal. Sauf que on sait tellement qu'on n'est pas bon sur ce pont thermique-là, que quand on résout ce pont thermique-là, on a souvent tendance à se dire, c'est bon, on n'a plus de pont thermique. Eh bien, ce n'est pas tout à fait le cas, et j'amène un petit complément là. Si j'étais vendeur d'isolation par l'extérieur, je ne préciserais pas ça, d'accord? Mais enregistrer que le risque d'avoir de forts ponts thermiques est aussi important en ITE qu'en ITI si vous n'y prenez pas garde. Sauf que ce ne sera pas au même endroit. En ITI, si vous isolez par l'intérieur, on les connaît les ponts thermiques. C'est les abous de dalle et les abous de refend, principalement. En ITE, vous avez la même chance d'avoir de très forts ponts thermiques, mais ce n'est pas les mêmes endroits. C'est les bas de mur, les tours de baie et les hauts de mur. La coupe d'un bâtiment, alors même là, ok. La coupe d'un bâtiment là est souvent, quand on isole ce type de petite maison, on se satisfait à isoler, à faire ce qui est en jaune ici, d'accord. Mais là, vous voyez qu'il y a des compléments en vert qui sont hyper importants, sans quoi vous avez des gros ponts thermiques à droite dans le bas de mur et à gauche au niveau de la dalle du salon, d'accord. Et alors, enregistrer que mettre de l'argent pour gérer finement un pont thermique n'est pour l'investisseur, pour le client, pas forcément rentable. D'accord? Oui, sauf que gérer les ponts thermiques n'a pas que pour objectif de baisser les notes de chauffage. C'est également pour l'été, pour empêcher le chaud de rentrer. Mais l'élément le plus important, me semble-t-il, et je vais prendre mon curseur là pour montrer par exemple l'angle du bas de mur là, c'est que si jamais vous avez un fort pont thermique, vous aurez de la condensation sur les matériaux intérieurs, et il y a un matériau qu'on utilise quasiment partout, qui est très très sensible à l'eau, c'est le placo basique. D'accord. Donc, avoir un fort pont thermique, garder dans le cas d'une réhabilitation un fort pont thermique, c'est prendre le risque d'avoir de la moisissure, donc de la dégradation des matériaux et de la dégradation de la qualité de l'air intérieur. Donc, le client, ce n'est pas par la pertinence économique de la gestion des ponts thermiques qu'on va l'embarquer, mais c'est par le fait d'avoir une solution qui donne satisfaction dans le temps et qui ne dégrade pas la qualité de l'air intérieur. Voilà, donc si je ne fais pas ces petites isolations vertes, vous voyez, j'ai deux gros ponts thermiques ici. Et ça a été repéré dans un travail que l'AQC a fait, dans un document écrit, avec ici repérer la problématique des bas de mur,
Voilà, et ici sur la photo là, dans les bonnes pratiques, donc les deux photos de gauche, c'est des pratiques non adaptées, et à droite, vous voyez qu'il y a on a scié le dallage extérieur et on glisse du polyuréthane ici sur 40 cm, ou je ne sais plus la hauteur, mais en tout cas, on descend d'au moins 30-40 cm en dessous du niveau du sol par rapport à ça. Enregistrer qu'il y a des règles professionnelles spécifiques et qui sont disponibles par le syndicat qui l'a écrit, des règles professionnelles pour savoir comment gérer ces bas de mur. Il y a aussi par rapport au risque de pont thermique d'ITE, eh bien, dites-vous que quelquefois sur certains projets, on ne peut pas isoler par l'extérieur l'ensemble des façades. C'est tout à fait possible, hein, d'isoler seulement trois façades ou d'isoler trois façades par l'extérieur et une façade par l'intérieur. D'accord? Mais si c'est le cas là, attention, il faut faire des retours, et c'est ce qui est noté, vous voyez, à l'angle en bas à gauche. Faites un retour d'ITI pour ne pas avoir de pont thermique. Fort, très fort, à cet endroit-là. Voilà. Donc là, vous avez une photo qui montre un retour d'isolant. Sur la photo, je pense qu'on est plus de l'ordre de 80 cm, alors que sur les dessins, on propose 60 cm. Généralement, oui, c'est 60 minimum. On oscille entre 60 et 80 cm de retour. Et puis, ITE, attention. Déplacez les fenêtres de telle façon à ce qu'elles soient dans le plan de l'isolation ou faites des retours. Vous voyez là la fenêtre, on voit la fenêtre à droite et on voit que le mur béton de 18-20 cm est sans isolation rapportée. Et la bonne pratique, c'est ça, c'est-à-dire qu'on gère une petite couche d'isolant, au moins 2-3 cm d'isolant. Pour ces endroits où il y a très très peu d'épaisseur, là par exemple c'est un biosourcé qui est proposé, c'est de la fibre de bois, mais enregistrez que vous pouvez avoir des isolants très performants que sont les isolants sous vide ou les aérogels de silice. Si le projet se fait par étapes, et si la réhab se fait par étapes, eh bien par rapport à ça, vous avez aussi dans le cadre du MOOC des présentations, et c'était le cas de David Gou qui vous renseigne, lui, qui est sur son toit, qui vous explique comment il fait. Et puis parallèlement, l'AQC et l'ASDER ont créé des petits documents techniques qui vous présentent comment gérer cette interface, que vous fassiez en une seule étape ou en plusieurs étapes. Et par rapport à ça, ouvertement, ça ne s'improvise pas. Et je mets en avant deux documents, là, ces deux documents qui vous sont proposés aussi dans le cadre du MOOC. Peut-être que vous n'avez pas fait très attention aux documents ressources qui vous sont proposés à la fin de chaque chapitre du MOOC, mais je pense qu'il faut vraiment les repérer parce que souvent il nous reste des questions, d'accord? Ces documents, justement, ils sont là pour répondre aux questions qu'on aura. ITI, humidité, le troisième chapitre là, et c'est un chapitre qui est malheureusement pas énormément documenté parce que finalement on a découvert les choses de manière précise assez récemment, dans les 10 dernières années en France. C'est-à-dire que les documents de référence sont un peu changeants sur ces sujets-là en fonction de l'époque où ils ont été écrits. Alors, je prends référence entre autres ce document que je vous conseille vraiment, Humidité dans la construction, 12 enseignements à connaître, donc document que l'AQC a écrit avec le CODEM, et on va chercher. En tout cas, enregistrer que pour se protéger contre l'humidité, il y a deux choses à faire. Il faut tout faire pour limiter l'humidification. Et vu qu'on n'est pas dans l'industrie et qu'on ne sait pas empêcher 100% de l'humidification, en parallèle, il faut tout faire pour faciliter l'assèchement. Et par rapport à ça, on va regarder ce qui se passe dans un mur ancien en hiver. Eh bien, vous dites que l'hiver, il fait froid dehors, et parce qu'il fait froid, l'air est peu chargé en vapeur d'eau. Donc là, c'est un phénomène physique. Un air froid ne peut pas contenir beaucoup de vapeur d'eau. Alors qu'à l'intérieur, on a un air chaud, parce qu'on veut du confort, d'accord, et qui s'équilibre avec une quantité de vapeur d'eau plus importante que ce que peut accepter l'air froid. C'est-à-dire que l'hiver, sur toutes les parois de mon bâtiment, mais entre autres sur mon mur ancien, d'accord, j'ai un flux de vapeur d'eau qui se passe, qui se fait entre l'intérieur et l'extérieur, d'accord? Sauf que ce flux de vapeur d'eau, quand il arrive dans la partie froide de mon mur,
eh bien, il est trop important par rapport à la température et une partie condense. C'est ce qu'on appelle le point de rosée. D'accord ? Donc ça, c'est le fonctionnement, je dirais, normal d'un mur normal, entre autres du mur ancien. D'accord ? Et ça fonctionne, entre autres, sur le mur ancien. Pourquoi ? Parce que le mur ancien, il a des matériaux capillaires et ces petites gouttes qui sont dans la partie externe du mur rejoignent le parement extérieur et cette eau s'évapore. C'est le fonctionnement, je dirais, normal du mur ancien, des murs anciens. Oui, mais si jamais on l'isole par l'intérieur, parce que l'isolation par l'extérieur est très facile à appréhender, il n'y a pas de stress par rapport à ça, mais l'isolation intérieure, c'est potentiellement un peu problématique vis-à-vis de ce fonctionnement originel. Alors, je mets ici, j'ai mon même mur, et j'ai mis une isolation par l'intérieur. D'accord ? Ben, je suis dans la même situation que tout à l'heure, l'hiver. L'hiver, il fait froid dehors, donc pas beaucoup de vapeur d'eau dans l'air extérieur, alors qu'à l'intérieur, j'ai une concentration plus importante de vapeur d'eau. Donc, j'ai mon flux de vapeur d'eau qui cherche à traverser ma paroi. D'accord ? Elle condense, cette vapeur d'eau, elle condense dans la partie froide de ma paroi. Tout à l'heure, c'était la partie froide du mur. Mais maintenant qu'il y a un isolant côté intérieur, 100% de mon mur est froid. Donc maintenant, c'est 100% de mon mur qui s'humidifie. D'accord ? Et pourtant, c'est très séduisant de vouloir isoler un mur par l'intérieur. Donc, on va trouver des solutions techniques pour finalement limiter cette humidification. Donc, que faire pour limiter cette humidification ? Eh bien, là, Monsieur Vier, le formateur qui pose la fibre de bois est précis là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un mur ancien ne souffre pas, ne s'humidifie pas trop l'hiver, bien qu'il soit isolé par l'intérieur, eh bien, il faut déjà le protéger de la pluie correctement, d'accord ? Mais aussi lui permettre un assèchement facile. Un enduit ciment, ça protège bien de la pluie, d'accord ? Mais c'est peu capillaire, donc ça contrarie l'assèchement, d'accord ? Donc, entre autres, côté extérieur, bonne protection à la pluie, mais il faut garder une capacité d'assèchement. Donc, sur le mur ancien, pas d'enduit ciment. D'accord ? Ils sont insuffisamment capillaires, donc ils empêchent l'assèchement. Côté intérieur, il faut, vu que mon mur s'humidifie fortement, il faut permettre un assèchement bis côté intérieur. D'accord ? Donc, on va éviter les matériaux fermés à la vapeur. Donc, entre autres, les polystyrènes et les polyuréthanes. D'accord ? Donc, sur le mur ancien, pas de polystyrène, pas de polyuréthane côté intérieur, parce qu'il faut que mon mur puisse potentiellement sécher côté intérieur s'il en a le besoin. D'accord ? Il faut une bonne étanchéité à l'air côté chaud de l'isolant ou dans le tiers chaud de l'isolant. Donc, si vous avez par exemple 15 cm d'isolant, vous mettez l'étanchéité à l'air derrière votre parement ou bien dans les 5 premiers centimètres de la couche isolante. D'accord, c'est la règle du 1 tiers, 2 tiers qu'on retrouve ici de manière adaptée. Donc il faut une étanchéité à l'air. Pourquoi ? Premièrement pour que l'isolant isole, d'accord, mais aussi parce que ce qui déplace beaucoup de vapeur d'eau, c'est les mouvements d'air. Donc il faut empêcher les mouvements d'air. Et si jamais cette étanchéité à l'air, vous la faites avec une membrane, ben, il faut des membranes qui empêchent la vapeur d'eau de rentrer dans la paroi. Mais si jamais la paroi a besoin de sécher, qui permettent cet assèchement côté intérieur ? Et là, vous avez deux nouvelles technologies qui sont arrivées, l'une il y a une quinzaine d'années en France, l'autre il y a environ 5 ans. Celle qui est arrivée il y a une quinzaine d'années en France, c'est la membrane hygrovariable. Une membrane qui est pas mal fermée en temps normal, mais si elle se trouve dans une ambiance humide, elle s'ouvre. Donc, en temps normal, l'hiver, elle fait vraiment par vapeur. Mais s'il y a besoin d'assèchement, elle s'ouvre. Et puis la membrane orientée, c'est il y a un seul produit, alors que la membrane hygrovariable, vous avez une dizaine de produits sur le marché français. La membrane orientée, je ne connais, à ma connaissance, je ne connais qu'une membrane comme ça sur le marché européen. C'est une membrane suisse. Elle est fermée dans un sens, ouverte dans l'autre. Donc c'est un par-vapeur qui n'est pas par-évaporateur.
isolant biosourcé très rapidement parce que j'ai vu l'heure et que je souhaite finir dans les 5-10 minutes pour qu'il y ait beaucoup d'échanges ensemble dans la foulée de ma présentation, les isolants biosourcés. Alors déjà, pourquoi utiliser des isolants biosourcés? Eh bien, déjà parce qu'ils ont un très bon bilan carbone en comparaison aux isolants classiques, conventionnels, que sont laine minérale, polystyrène, polyuréthane, principalement. Et puis, ce sont des matériaux renouvelables. La matière biosourcée qui est utilisée pour faire la base de notre isolant est renouvelable. Et puis après, c'est moins systématique, mais dans la majorité, on a une tendance forte lorsque on utilise, une tendance forte en bilan de ces matériaux, de ces isolants biosourcés. Ils sont en général propices à l'économie des territoires. Les isolants denses sont vraiment repérés de manière pertinente vis-à-vis de leur contribution au confort d'été, histoire de déphasage. Ils sont en général, sauf une exception, la fibre de bois très dense, ils sont à faible énergie grise. Et puis, ils ont une gestion de fin de vie, on est dans une dynamique d'économie circulaire, plutôt aisée à très aisée. Donc là, on voit effectivement, objectivement, il y a des avantages de cette nouvelle famille d'isolants. Ici, vous avez une diapo que j'ai présentée il y a quelques jours dans une formation sur les biosourcés où je vous présente la chènevotte, la paille hachée, la laine de chanvre, le liège expansé, les briques de chanvre, la laine de lin, les panneaux de carton, la laine de riz, les panneaux d'herbe, la balle de riz, la ouate de cellulose, la laine de mouton, la botte de paille, les panneaux de roseau, etc., etc. Voilà, donc grosso modo, c'est une famille qui nous propose tout un tas de matériaux. Dans cette grande... ce grand groupe de matériaux biosourcés, vous avez plusieurs familles qui se démarquent très positivement. C'est le cas, par exemple, des bétons allégés à base de terre, mais c'est le cas aussi des vracs. Les isolants vracs ont en général un très bon bilan environnemental et généralement coûtent beaucoup moins cher que les autres. D'accord ? Donc, on peut penser que le potentiel de développement des isolants biosourcés et vracs est énorme par rapport à ça. Oui, mais il y a un mais. C'est-à-dire que pour les isolations horizontales, on est cool, c'est facile, il n'y a qu'à déverser. D'accord ? Mais pour les isolations verticales, il va falloir faire attention au risque de tassement. D'accord ? Donc, vous voyez là une photo de déversement de balles de riz. Ben, c'est facile, hein, vous achetez les big bags, ils arrivent, vous les amenez avec votre grue ou votre engin élévateur, et puis vous les déversez donc en isolation horizontale, c'est très simple. Dans une isolation verticale, et là c'est un problème qui a été repéré par l'AQC il y a quelques années, en 2015, où on peut avoir des tassements. Alors quoi faire pour ne pas avoir des tassements? Il faut respecter la densité demandée, d'accord? Et dites-vous, vous qui êtes professionnel, j'ai été professionnel, j'ai fait du chantier, mais ça fait 30 ans que je n'ai plus de chantier, mais j'ai fait du chantier, j'ai enregistré que maintenant, si ça se tasse, les gens peuvent le voir. Hein. La première caméra thermique que j'ai eue dans les mains, c'était en 2003 et elle valait 45 000 euros. Voilà. C'était avec le CEBTP. Voilà, il y avait, je ne sais pas s'il y avait 30 caméras thermiques chez les bureaux d'études en France. Mais là, effectivement, maintenant, n'importe qui a une caméra thermique, donc on le repère. Hein. Donc, respecter les densités demandées, poser des traverses de plus obliques, on peut se poser la question, et choisir des solutions ou choisir des solutions projetées machine. Donc, j'amène simplement, je développe ça très rapidement, respecter les densités demandées qui le sont dans les documents techniques. Donc, ne faites pas d'impasse par rapport à ça. Posez des traverses que vous pouvez choisir obliques de telle façon à ce que s'il y a une petite densité, un petit tassement, ça n'impactera moins la performance. Et puis, choisir des solutions projetées machine. Et il y a vraiment une mise en œuvre d'un matériau biosourcé vrac que je crois hyper séduisante, entre autres sur des bâtis anciens, c'est la ouate de cellulose projetée humide. Donc, je ne sais pas où vous avez envie d'investir, mais je pense que si vous avez envie d'investir votre argent, j'espère que vous avez de l'argent à investir, si vous avez envie d'investir de l'argent, investissez-les dans les filières d'isolation, puisqu'on va avoir besoin de beaucoup d'isolation à partir de maintenant. Et entre autres, la ouate de cellulose projetée machine a quand même d'énormes avantages.
Simplement à noter, par rapport à cette problématique de tassement, ce n'est pas spécifique aux biosourcés, ce n'est pas spécifique au vrac. D'accord? Et entre autres, on a beaucoup de problèmes de tassement de biosourcés avec la laine minérale. Alors souvent, les gens disent que la laine minérale se tasse. Pas la laine minérale dense. D'accord? Donc si vous faites une isolation verticale, c'est simple. C'est d'abord et avant tout des problématiques pour l'isolation verticale. Si vous faites de l'isolation verticale en laine minérale, moi, ce n'est pas mon cas. Je suis biosourcé, donc voilà, j'ai choisi les matériaux que j'ai envie de mettre en œuvre. Mais par rapport, si vous voulez mettre en œuvre de la laine minérale ou par exemple de la fibre de Merci, je vais bois, prendre un donc truc des pour tout à l'heure. fibres Merci bien. courtes, eh bien, il faut choisir des densités importantes. Alors que, en opposition à certains biosourcés à fibres longues, style la laine de lin, laine de mouton, laine de chanvre, qui peuvent s'agrafer sur l'ossature. Donc là, si elles ne se lassent pas, ce n'est pas du fait de leur densité, c'est du fait de leur du fait qu'on puisse les agrafer. Traversée de paroi très rapidement en 2 minutes, là vous avez une malfaçon qui a été repérée par la QC. Vous voyez que ben, finalement, quand il pleut sur cette façade, alors j'espère que ce n'est pas la façade la plus battante, mais s'il pleut sur cette façade, ben, ça peut rentrer dans le petit trou ici. Voilà, donc on a une inétanchéité à l'air et une inétanchéité à l'eau. Okay? Alors que qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Ben, au lieu de la traverser, l'amener plus bas, si vous l'aviez amené plus haut, eh bien, vous n'avez pas le ruissellement de l'eau sur le fil déjà, qui rentre dans votre trou, d'accord? Et puis vous auriez ici, sur cette situation, été à l'abri par l'avant-toit, par le débord de toit, d'accord? Donc sinon, bien entendu, là, vous n'avez pas de joint souple qui a été amené au niveau de l'enduit, c'est regrettable aussi. Donc il faut avoir en préoccupation ces préoccupations-là. Et là, par exemple, ce sont des malfaçons et des bonnes solutions qui sont amenées par rapport à la traversée d'ICT, de canalisation électrique par rapport à ça. Ben on ne fait pas tout traverser en même temps, on fait traverser en faisant des joints d'étanchéité à l'air devant chaque. Ou bien ici, par rapport à la VMC, ben il y a des kits, il y a des membranes qui sont faites, des manchons spécifiques qui sont faits pour les traverser de telle façon à ce que les équipements ne traversent pas. Interface, réseau, enveloppe, que se passe-t-il lorsque cette interaction n'est pas traitée correctement? Je ne vais pas présenter ça. Elle est dans un document que je mettrai en avant, un document de la QC. D'accord? Sachant que sur ce document-là, ils ont été sympas parce qu'ils n'ont pas parlé de l'étanchéité à l'eau, parce qu'ils étaient plus, le document est plus dans une approche par rapport à l'intérieur. D'accord? Mais on a vu, c'est pour ça que j'ai mis cette photo de façade où l'inétanchéité à l'air, l'inétanchéité des traversées peut concerner aussi l'inétanchéité à l'eau. Alors j'amène tout ça et je me dis quand même, ça fait beaucoup de choses à retenir. Juste pour conclure et puis avant de donner la parole à Samuel Dossé de la QC, ouvertement, la réhabilitation, quand on parle de réhabilitation BBC ou de réhabilitation performante, il y a un paquet de points techniques disons, qu'on ne peut plus ignorer. Et donc, ça peut paraître un peu lourd et écrasant, l'ensemble de ces attentions à avoir. Alors, par rapport à ça, je mets en avant les documents que j'ai présentés de la QC là, mais il y a aussi une chose qui est, pour moi, hyper aidante comme document complémentaire, ce sont les fiches d'autocontrôle. Voilà. On a la tête dans le guidon, on ne peut pas penser à tout. Eh bien, une façon de vérifier qu'on a bien pensé aux choses importantes, c'est d'avoir des fiches d'autocontrôle. Que vous soyez membre de l'équipe de maîtrise d'œuvre ou entreprise, d'accord, vous avez des fiches d'autocontrôle. Donc au départ, vous prenez des fiches d'autocontrôle qui viennent d'acteurs extérieurs et vous les personnalisez au fur et à mesure, d'accord, en disant ah ce truc-là, j'y pense pas tous les coups, donc je le mets dans la liste, d'accord. Donc je vous invite vraiment à profiter et c'est présenté aussi dans le MOOC et Samuel va vous le présenter là les fiches d'autocontrôle que vous propose la QC. En tout cas, merci bien. Moi, je vous retrouve dans quelques minutes, une fois que Samuel aura présenté les fiches d'autocontrôle et pour les questions. À très bientôt. Ok, merci beaucoup Samuel pour la concision des propos, parce que c'était un petit défi de parler d'autant de sujets en peu de temps.
Je vous invite vraiment, Samuel en a parlé beaucoup, mais pour ceux qui ne se sont pas inscrits au MOOC, voilà, ça permet vraiment de balayer les sujets en profondeur, d'y retravailler même par vous-même. On vous donne accès à chaque fin de module à des ressources complémentaires. Donc c'est vraiment un MOOC qui est riche. Je ne dis pas ça parce que c'est l'AQC qui l'a fait, mais il y a vraiment voilà, toutes les pistes qu'on a évoquées avec Samuel en 45 minutes là. Vous retrouverez du détail et vous serez mis aussi en œuvre via des petits QCM, des choses comme ça. Il n'y a rien de plus formateur que d'être confronté à certaines réalités. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous ai mis le lien au tout début de la conversation pour vous inscrire au MOOC si vous le souhaitez. Pour revenir sur ce sujet, donc des fiches d'autocontrôle comme moyen comme checklist en fait pour voir si on a pensé aux étapes vraiment très importantes. Vous avez deux moyens aujourd'hui de retrouver ces fiches d'autocontrôle, puisque c'est un outil qu'on a développé dans le cadre d'un autre programme qui s'appelle Profil, que vous connaissez certainement. Voilà, vous pouvez utiliser soit la plateforme ProReno, c'est pareil, c'est une plateforme qui vient d'être mise en ligne il y a quelques jours, 2 semaines. Donc ProReno, je vous ai mis le lien aussi là, où vous retrouverez, vous tapez dans la barre de recherche fiche autocontrôle et vous trouverez, j'ai détaillé sur la slide après, vous retrouverez les fiches autocontrôle qui sont téléchargeables. Et du coup, voilà, il y a tout un tas de thématiques sur le sujet de l'enveloppe de mémoire. Il y a 12 fiches autocontrôle qui existent. Tiens, Samuel, je veux bien que tu passes la slide suivante. Ou alors il y a un petit délai, je ne sais pas. Non, non, Voilà. j'attends sagement que tu me dises. Ok, Ok. voilà, donc ça, c'est les 12 sujets. Donc voilà, ça parle de l'ITE, ça parle de l'ITI. On a aussi les planchers bas, les combles aménagés, etc., etc. Donc voilà, il y en a 12. Donc en effet, ce n'est pas, sans doute pas exhaustif, hein, mais c'est des fiches autocontrôle aujourd'hui qui existent et qui sont disponibles au téléchargement. Et sur la slide après, normalement, je crois que je vous ai mis un petit détail pour, enfin, un exemple, en fait, de ce que vous retrouvez. Donc ces fiches de contrôle, elles sont toujours toutes faites de la même manière. Vous avez la possibilité de mettre quelques informations sur le chantier en cours sur lequel vous intervenez, ou si ce n'est pas de chantier, bah, on ne s'occupe pas de cette première page. Mais en tout cas, après, vous retrouvez les points de contrôle qui sont catégorisés en 4 étapes. Donc la première, c'est tous les points de contrôle qui doivent être faits, pensés au moment de la conception du dimensionnement. Bon, c'est plus sur les équipements qu'on parle de dimensionnement, mais sur la conception. Donc là, par exemple, sur cette fiche ITE bardage, on a 23 points de contrôle qui ont été identifiés et retenus, dont certains qui sont des points de contrôle RGE. Vous trouvez la petite mention RGE, c'est des points de contrôle qui sont obligatoires pour les personnes qui sont RGE. Sur la slide d'après, on continue sur d'autres points de contrôle qui existent et qui sont répertoriés sur l'étape de préparation de chantier. Je ne sais pas si la slide arrive après. C'est juste parce qu'il y a un petit délai de latence. Bon, voilà. Donc voilà, les quelques points de contrôle en préparation de chantier, les points de contrôle qui sont liés vraiment au moment où on fait les travaux, qu'est-ce qu'on peut contrôler sur son chantier. Et puis tout ce qui est lié à la préparation de la réception de chantier avec vos clients. Sachant que là, ce que je vous présente, c'est une fiche autocontrôle. Il existe aussi le pendant fiche de réception que vous pouvez utiliser comme support de réception avec vos clients, donc qui est très simplifié, hein, puisqu'on va être plus dans un langage adapté aux particuliers. Et puis, il y a tout un tas de points de contrôle qu'on ne peut pas refaire a posteriori une fois que le chantier est terminé. Mais du coup, voilà, fiche autocontrôle dans le contexte dans lequel on est là sur des points de vigilance, c'est un outil aujourd'hui qui doit vous permettre de pas passer à côté de certaines informations importantes. Un autre moyen d'utiliser ces fiches d'autocontrôle, donc c'est sur la slide d'après, elles ont été numérisées. Donc vous avez un autre outil qui s'appelle CheckReno. Voilà, je vous ai mis le lien aussi de cette page CheckReno. Je vous le remettrai dans la conversation où Lionel va vous le mettre, qui nous accompagne, Lionel en back office. Voilà. Et quand vous allez sur cet outil, soit vous n'êtes pas inscrit, vous vous inscrivez, sinon vous êtes déjà inscrit, vous vous connectez. Et en fait, c'est un outil qui vous permet justement de faire de l'autocontrôle, de suivre vos chantiers. Et donc sur la slide d'après, on a le détail un petit peu. Tout ce que vous avez pu télécharger en format papier, vous le retrouvez au format numérique avec la possibilité de créer un chantier spécifique. En fonction de votre métier, on va vous proposer les fiches autocontrôle qui existent déjà. Donc vous retrouvez là, par exemple, sur la droite de l'écran, là, enfin, on voit 4 points de contrôle là, qui sont mis en avant sur le sujet de la projection. Mais voilà, vous retournez par étape, par type de chantier, les différents points de contrôle et vous checkez numériquement ce que vous avez fait. Et ça vous permet voilà, de contrôler un petit peu l'ensemble de vos chantiers. Sur cet outil, si vous avez des questions, il y a un mode d'emploi qui est proposé une fois que vous êtes inscrit. Là, je l'ai entouré en orange, où il y a un petit tuto qui détaille vraiment tout ce que vous pouvez faire avec cet outil de CheckReno.
Et puis, vous avez une petite rubrique, nous contacter si vraiment il y a un souci pour l'utiliser. Voilà, donc ça, c'est l'outil Check Reno qui existe et qui vous permet d'avoir la version un peu numérisée des fiches autocontrôle. Mais déjà, la version papier, elle est très accessible et très facile à utiliser. Voilà ce que je voulais vous dire, moi, sur les fiches autocontrôle. Est-ce que sur la slide d'après, je ne sais plus s'il y avait un autre point particulier. C'est Si je peux celle-là, passer. c'est la slide finale, la Voilà, suivante. donc c'est OK. Donc là, maintenant, ce que je vous propose, donc c'est de passer comme promis à la partie questions-réponses. Le jeu, alors j'ai pris déjà pas mal de questions au cours de la présentation de Samuel. C'est qu'on va rester sur des questions, j'allais dire génériques, mais c'est plutôt des questions qui ne traitent pas un point très particulier d'un chantier X, parce qu'on ne va pas pouvoir apporter des réponses à tous les chantiers et toutes les configurations qui peuvent exister. Il y en a des multiples. C'est vous donner plutôt des éléments essentiels pour pouvoir répondre et travailler par vous-même à la réponse que vous pouvez apporter sur les questions. Peut-être une première question, si je les reprends dans l'ordre dans lequel elles sont apparues. Tac, tac, tac. Voilà, est-ce que bon, c'était une première question sur, alors c'est pas pour toi Samuel directement, mais dans le cadre du projet phare, est-ce que la qualité de l'air intérieur sera traitée? Quand on parle de rénovation, on a vu dans la présentation de Samuel qu'on a beaucoup de risques potentiels d'humidité, etc. Donc oui, forcément qu'ils vont avoir une influence sur la qualité de l'air intérieur par les moisissures, etc. Donc oui, c'est un sujet qui dans phare, d'une manière ou d'une autre, il sera forcément abordé. L'autre question que j'avais, donc c'était assez bon, c'était un lien vers la newsletter, donc ça on va vous le remettre aussi. On va vous mettre dans la conversation, Lionel, si tu peux, le lien vers la mallette pédagogique du dispositif Rex Bâtiment Performant, qui vous donne aussi accès comme ProReno à tout un tas d'outils qui sont plus pédagogiques, on va dire, plus pour les formateurs. Et dans cette mallette pédagogique, vous avez nous contacter, l'accès à la newsletter pour vous inscrire. Une question sur les enduits que tu as présentés, Samuel, sur les enduits isolants à faible épaisseur, etc. Il y a une question, ces enduits sont-ils reconnus par l'ADEME? Donc juste un premier élément de réponse avant que tu apportes le tien. J'ai envie de parler de certificat CERMI qui vous permet d'avoir les données un petit peu de reconnaissance de la cape de la. Des capacités de ces isolants comme la conductivité, etc. Et puis après, sur le volet assurantiel mise en œuvre, vous avez tout ce qui concerne les avis techniques. Voilà, toutes ces choses-là, je vous incite à aller vous renseigner sur ce côté-là. Samuel, je te laisse compléter sur cette première question. Déjà, ce n'est pas l'ADEME qui reconnaît un matériau ou l'autre. Et il y a eu des avis techniques. Il y en a qui ont eu, à un moment donné, des avis techniques, mais dans la mise en œuvre, on est dans le DTU 26.1. Voilà, donc, on n'est pas. En fait, c'est un enduit trois couches. C'est la couche intermédiaire qui est pas faite avec du sable. Le granulat n'est pas le sable, mais est un granulat allégé. Voilà, donc ça révolutionne pas la chose. Donc il n'y a pas d'avis technique. On est dans le cadre, dans la majorité des produits que je vous ai présentés, dans le cadre du DTU 26.1. Voilà, donc on n'est pas dans un matériau nouveau qui nécessiterait systématiquement un avis technique par rapport à la problématique de l'assurabilité. Après, par rapport à son lambda, je dirais, on n'est pas dans l'approche ASERMI, parce que l'ASERMI, c'est pour les produits isolants, alors que là, c'est un enduit. Donc, on n'est pas, c'est pas l'ASERMI qui accompagnera la chose là. Mais bon, je dirais, il y a un lambda connu, renseigné, et qui permet d'atteindre une valeur donnée. Okay. La question d'après, je pense qu'elle a eu sa réponse. Peut-être que la question a été posée un peu trop tôt, mais slide 38, pourquoi un isolant ouvert à la vapeur d'eau? Bon, je crois que tu as bien détaillé pourquoi sur les murs anciens, un isolant ouvert à la vapeur d'eau. Si tu veux retourner Ouais, dessus, oui, c'est. Mais voilà, je pense que la ouais. réponse, tu l'as apportée, hein. Oui, en tout cas, la base dans le bâtiment, de la gestion, les principes de base pour gérer correctement l'humidité, c'est tout faire pour limiter l'humidification et pour permettre l'assèchement. Et quand on est en ITI, il y a besoin, disons, ça commence à s'humidifier à l'interface isolant-mur. Donc on est très loin de la porte de sortie, qui est l'extérieur de l'isolant. Je dirais, si vous avez un mur ancien qui fait 40-50 cm d'épaisseur, on est très loin. Donc, il faut qu'il y ait une possibilité côté intérieur. Et pour permettre cet assèchement, il faut au minimum que les matériaux qui se trouvent là, en tout cas l'isolant, soient ouverts à la vapeur d'eau. Sinon, cette humidité, elle se trouve coincée. Mais effectivement, je l'ai dit, je le redis très rapidement.
Sur ce sujet à mur ancien, alors je pense que c'est plus une question en lien avec la caractérisation de ce mur ancien, puisqu'on a un mur ancien pour l'interrogation, brique ancien, aglo pour l'interrogation, si aglo ou brique, même solution pour l'interrogation. Donc je pense que voilà, c'est plus le sujet de la caractérisation de ce mur vis-à-vis de l'eau aussi. Alors, j'ai pris un terme générique. Donc, pour moi, c'est un mur en pierre, en moellon, avec un mortier traditionnel, donc généralement à base de chaux. Il peut être dans certaines régions à base de plâtre ou d'un mixte chaux-plâtre comme sur Paris, et ou bien à base de terre ou un mur de terre. Donc, pour moi, un mur ancien, ce sont ces murs-là avant l'arrivée du béton, des agglomérés de ciment et des briques du 20e, des briques surcuites de l'industrie actuelle. Une question qui avait été posée directement au moment de l'exemple de l'isolation du soubassement. Isolez-vous toujours les soubassements dans vos rénos? Question très directe et perso. Ouais, je pense que sur les 220 personnes présentes, si on faisait une stat, on n'aurait pas forcément une majorité. Voilà, mais c'est pas parce que ça ne se fait pas. Les us et coutumes font, et puis la réalité économique aussi fait que ça coûte cher. Ça, hein. Il y a des gestions de ponts thermiques qui coûtent pas grand-chose. Il y a des gestions de ponts thermiques qui ont un surcoût réel. Et là, c'est un surcoût réel, d'accord? Donc tant que les clients sont pas alertés sur l'importance, et aussi que nous alertons pas les clients sur l'importance. Et je vous ai dit, c'est pas d'un point de vue économique, c'est pas justifiable avec le prix actuel de l'énergie. Mais la problématique, c'est du vieillissement prématuré des matériaux qui sont dans la paroi et des matériaux de parement intérieur et la dégradation de la qualité de l'intérieur. Et c'est par là qu'on arrive à sensibiliser le client. Alors, sur le sujet de l'isolation, préconisez-vous de positionner l'isolant intérieur, exemple fibre de bois, au contact du mur ancien, en admettant que celui-ci soit enduit à la chaux, pour une continuité capillaire ou de ménager une lame d'air? Donc, Alors, contact direct ou lame d'air, c'est faire la question. c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre rapidement. Mais enregistrez que j'ai cité, à un moment donné, quand j'ai parlé des remontées capillaires, j'ai cité une solution où on décolle le complexe isolant intérieur du mur. D'accord? C'est la double cloison, la contrecloison isolante présentée dans le DTU 20.1 et qui est grosso modo la situation ceinture et bretelles hyper sécuritaire quand on a une paroi humide. D'accord? Mais à part celle-ci qui est clairement documentée, donc avec un vide d'air qui est clairement documenté, et on sait pourquoi, on sait comment la faire, on sait pourquoi ça fonctionne, sinon, décoller l'isolant du mur intérieur, je dirais, c'est une solution un peu entre deux qui est peu documentée, peu renseignée. Donc, moi, j'ai tendance à ne pas être séduit par cette solution-là. Mais je ne peux pas rentrer plus dans le détail parce que ça ferait appel à des concepts, des photos, des diapos, des explications que je ne peux pas amener là. Mais en tout cas, moi, ce n'est pas une solution que je retiens comme pertinente dans la liste des solutions que je souhaite voir optimisées. Ok, question suivante. L'isolation en dalle mise à port en verre cellulaire est. Est-ce que l'isolation, pardon, en verre cellulaire est considérée comme matériau biosourcé? Connaissez-vous l'énergie grise de ce matériau nouvellement sur le marché? Alors, le verre cellulaire n'est pas un matériau biosourcé, puisqu'il y a une définition des matériaux biosourcés, c'est des matériaux qui ont une partie de leurs constituants d'origine végétale ou animale. Le verre cellulaire, c'est du minéral. D'accord? Donc, le verre cellulaire n'est pas un matériau biosourcé. L'énergie grise du verre cellulaire, je l'ai, oui. Allez sur le site d'Arcane où vous avez une base de données matériaux où ce sera renseigné. D'accord? Sachant que le verre cellulaire type mise à port, c'est-à-dire en granulat, coûte beaucoup moins cher à la fabrication que le verre cellulaire en panneau. Donc, vous aurez les deux choses renseignées. Mais ce n'est pas parce que j'ai fait un focus sur le biosourcé, que j'ai mis en avant le biosourcé, que j'ignore, j'en oublie tous les autres. Je dirais, le verre cellulaire, c'est le seul isolant qui est non sensible à l'eau de manière définitive. D'accord? Donc la pertinence du verre cellulaire, c'est entre autres pour des isolations très spécifiques, des isolations de patinoires, de piscines ou une isolation extérieure de murs enterrés, par exemple. D'accord? Donc il faut savoir chaque matériau, il faut faire les plus, les moins. Et le verre cellulaire, si il a droit de cité,
c'est parce que à l'eau, il se comporte, je dirais, il est totalement insensible à l'eau. Vous planquez un bout de vercellulaire dans votre jardin, vous revenez dans 200 ans, s'il n'y a pas eu d'agression chimique ou mécanique, le vercellulaire est resté intact et il a gardé son lambda d'origine. C'est le seul. Donc, il y a une question sur le sujet de. Alors, je pense que c'était sur le. Je lis en même temps, sur le sujet des isolants en vrac. La boîte de cellulose ne dispose malheureusement pas d'ATEC, règle pro pour l'ITER en caisson insufflée, alors que c'est une solution éprouvée dans d'autres pays avec un rapport qualité-prix exceptionnel comparé à la fibre de bois qui devient vite inaccessible en termes de prix. Nanana, etc. Savez-vous si des réseaux fabricants avancent sur ce sujet? Donc, le sujet de l'utilisation de la boîte de cellulose en vrac en ITE. Des questions Alors, informées. déjà, oui, dire que la ouate de cellulose, pour la ouate de cellulose, vous avez plein d'avis techniques, d'accord, mais effectivement, pas forcément pour le remplissage de coffres là, sauf que le remplissage de coffres, il fait appel à un savoir-faire particulier et je dirais le remplissage isolant est plutôt secondaire par rapport à ça. Donc, je ne connais pas d'assureur, en tout cas, j'ai jamais eu d'informations qui me soient remontées, comme quoi des chantiers étaient bloqués parce qu'on aurait empêcher, du fait de l'assurabilité, cette solution technique-là. Voilà. Après, il y a ESIMA, donc le syndicat des fabricants de ouate, qui travaille entre autres sur ce sujet-là pour faciliter la chose, mais je ne sais pas où en sont les réflexions, les travaux dans cette direction-là. Ok, sujet à creuser. Comment prendre en compte dans les calculs de U en ITE la potentielle humidification des isolants biosourcés? Alors ça, c'est réglé puisque en fait, c'est pas parce qu'ils sont biosourcés, c'est parce qu'ils sont hygroscopiques. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité à absorber un petit peu de l'eau, de l'air, voilà, de fixer en eau une partie de la vapeur d'eau qui est dans l'air. Donc on appelle ça des matériaux hygroscopiques. Et les matériaux hygroscopiques, c'est simplement pour le calcul de leur lambda, on tient compte du fait qu'il y a toujours un peu d'eau dedans. Donc, par exemple, si vous faites un calcul d'isolation avec une laine de verre qui est un matériau qui n'est pas hygroscopique, donc qui ne peut pas enfermer dans ses fibres de l'eau, d'accord? Eh bien, quand on fait le calcul thermique avec une laine de verre, on peut utiliser son lambda sec, puisque une laine de verre, par définition, ne peut pas être humide. Elle peut avoir quelques gouttes à l'intérieur, tout ça, mais la fibre ne s'humidifie pas. Alors que les matériaux biosourcés sont hygroscopiques, donc ça entraîne plutôt des avantages, mais effectivement, leur lambda est un peu dégradé. Et quand on fait un calcul thermique pour de la ouate de cellulose, par exemple, qui est un matériau hygroscopique, mais comme tous les, plus ou moins selon les biosourcés, mais tous les biosourcés sont de un petit peu à beaucoup hygroscopiques, eh bien, pour faire le calcul thermique, on utilise le lambda utile. Ce n'est pas le lambda sec qu'on utilise pour ces matériaux-là. C'est-à-dire que dans le principe de calcul, des calculs thermiques, on tient compte du fait que ces matériaux-là contiennent un petit peu de flotte. D'accord? Donc ça, je pense que pour celles et ceux qui sont présents là et qui font du calcul thermique, je pense que vous prenez les règles de calcul, les bases de calcul de la RT X ou de la RE 2020, enregistrez que ces bases de calcul, pour les matériaux hygroscopiques, renseignent le lambda utile et non le lambda sec. Ok, alors une question peut-être plus culture générale. Comment sont recyclés les isolants mélangés, biosourcés, polyester, etc.? Est-ce que la présence d'éléments pétrochimiques est toujours mentionnée? Je ne sais pas si tu as une Alors, réponse là-dessus. à ma connaissance, le pourcentage est renseigné, pas forcément dans la doc basique, mais quand on cherche un petit peu, et effectivement, par exemple, la laine de chanvre en rouleau ou en panneau, en panneau généralement, a jusqu'à 15 à 20% de polyester. D'accord? Alors, comment le recycler? Ben, ça dépendra du matériau. Mais par exemple, prenons l'exemple de la laine de chanvre, qui est naturellement très très peu sensible à l'eau, d'accord? Eh bien, on peut penser que quand on va la déposer en fin de vie, il suffira de la dépoussiérer, voire de la laver pour la réutiliser. Peut-être avec une mise en œuvre moins noble, c'est-à-dire peut-être en remplissage de coffres horizontaux, mais il y a une réutilisation possible, si je prends l'exemple de la laine minérale. Mais ça peut être une problématique
pour les matériaux, pour la gestion de fin de vie de certains matériaux, mais généralement, les biosourcés qui font appel à ces liants-là sont des biosourcés qui vont pouvoir être réutilisés. Donc finalement, ça ne pose pas problème, même sur un moyen et long terme. Mais c'est une problématique qu'il faut avoir pour l'extrême fin de vie, d'accord, par rapport à d'autres matériaux qui n'auraient pas ces supports-là, ces liants-là. Alors, sur la ouate de cellulose projetée humide, est-elle bien certifiée à CERMI? Alors, il y a, en tant qu'isolant industriel, produit par l'industrie, contrairement à l'enduit dont j'ai parlé tout à l'heure, la ouate de cellulose peut être potentiellement certifiée, et il y en a pas mal qui sont certifiés, et dans pas mal, donc on prend, pour savoir les mises en œuvre, on va utiliser leur avis technique, et dans la majorité des avis techniques qui parlent de la ouate de cellulose, vous avez le choix entre deux types de mises en œuvre, soit de l'insufflé, soit de la projection humide. Donc ça ne change pas la donne. C'est-à-dire que la ouate est renseignée, certes, la majorité des ouates sont renseignées avec un certificat ACERMI, d'accord ? Ça, c'est l'industriel qui fait cette demande-là, d'accord ? Et le texte qui accompagne la ouate en question par rapport à sa mise en œuvre, c'est l'avis technique, d'accord ? Et dans la majorité des avis techniques de ouates, on entrevoit ces deux mises en œuvre possibles. Donc ça ne change pas la donne. Ce n'est pas un autre produit, c'est vraiment le même produit. Qui, en tout cas, le produit qui est proposé en projection humide est également proposé en insufflation à sec. Dans le cas de plancher en ITI, comment faire si on ne traite qu'un seul étage, qu'un seul appartement pour la jonction plancher-mur? Alors là, c'est par rapport à... Donc, je reprends ce que j'ai enregistré, c'est que j'isole par l'intérieur et je n'isole qu'un étage, c'est ça? C'est ça. Enfin, on a accès qu'à un seul appartement, je crois comprendre. Ouais, ben, dans le cas d'une copro, par exemple, ou quelque chose comme ça, ben, je dirais, la solution, on peut isoler sous la dalle, dans son appart, on peut isoler le plafond de son appart, ce qui, entre nous, n'a pas que des inconvénients, parce que d'un point de vue acoustique, ça peut améliorer grandement la donne, hein, principalement pour les bruits soliens. Ou bien, je dirais, vous pouvez faire simplement comme le retour sur refend que j'ai amené tout à l'heure, vous pouvez faire un retour sous dalle, d'accord ? Et ça, c'est principalement quand le plafond lourd, vous en avez envie par rapport à l'inertie, par rapport au confort d'été, d'accord ? Donc, il y a plusieurs solutions. Soit vous isolez votre plafond par-dessous, soit vous isolez seulement le pourtour. Et puis, la dernière solution, ce sera d'amener une isolation à terme côté extérieur en complément de votre isolation intérieure. Mais là, c'est la copro qui va décider ça. En tout cas, ça va être une décision pour l'entièreté du bâtiment. Alors, plutôt côté organisationnel et force de conviction par rapport aux clients, aux maîtrises d'ouvrage, comment aider des locataires à faire effectuer des travaux dans un bâtiment bourré de ponts thermiques, VMC dysfonctionnel, avec des pans entiers de murs moisis, etc., dans un bâtiment assez récent de 4 ans? Bon, alors... Pas de sens pour la question. Je pense que... Voilà, le bâtiment assez récent de 4 ans, j'ose espérer que ce n'est pas la cata qui nous est présentée là. Voilà. Si c'est la personne qui vient d'investir, qui a un emprunt sur 20 ans et qu'on lui dit qu'il faut qu'il refasse son bâtiment, ça sera difficile quand même. Donc je pense que vous nous mettez dans une situation un peu complexe par rapport à ça. Je pense qu'on est dans une situation exceptionnelle. En revanche, un client qui habite dans une passoire thermique et comment lui faire comprendre qu'il a tout intérêt à faire des travaux, je vous inviterai bien à suivre le MOOC Rénovation performante, les clés de la rénovation énergétique, donc qui est le MOOC chapeau sur la réhab, qui parle entre autres de ça, c'est-à-dire quel argumentaire avoir pour faire comprendre aux gens d'investir. La première chose, c'est l'amélioration du confort. La chute l'amélioration du confort thermique, la chute des coûts énergétiques pour le chauffage, l'amélioration du confort d'été et l'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Voilà.
Mais vous comprenez que c'est une question complexe, hein. Voilà, on peut avoir des formations de jour rien que sur comment embarquer, comment accompagner. Moi, je mettrais là, puisque je pense que sur les 200 personnes présentes, il y a une très grosse majorité de professionnels, mais enregistrer que l'État, avec les collectivités, propose un service qui s'appelle France Rénov. Vous avez quand même plus de 2000 conseillères et conseillers sur le territoire français qui sont là pour recevoir les particuliers, mais vous aussi, hein, vous en tant que professionnel, si vous voulez savoir ce qu'ils racontent, vous pouvez demander un rendez-vous auprès des espaces France Rénov, et les espaces France Rénov sont justement là pour faire le job que nous, professionnels du bâtiment, on n'a pas forcément le temps de faire d'explications de pourquoi, comment ça marche, des choses comme ça. C'est-à-dire que ce premier travail pédagogique, il peut être fait par le service France Rénov. Et je vous ai dit, plus de 2000 conseillères et conseillers sur le territoire, il y en a forcément dans votre coin. Ok, bon, ça très bien, ça j'allais y venir, donc ça répond à plusieurs questions justement sur où trouver de l'information de ce type, donc ça c'est vu. Un problème lié à l'humidité des murs anciens, le salpêtre. Comment traiter un tel souci? Peut-on le couvrir? Dégrade-t-il structurellement les murs? Alors, le salpêtre, ça fait partie des sels qui peuvent remonter avec les remontées capillaires. Et je n'ai pas de solution simple, si ce n'est de mettre en dynamique ce que j'ai présenté tout à l'heure, qui permettra de limiter les remontées capillaires. D'accord? Après, quand on a des sels, et ça dépend du type de sel, sulfate et autres, d'accord, type de sulfate et autres, eh bien, ça dépendra. Voilà, j'ai pas de solution toute faite par rapport au salpêtre en comparaison à d'autres types de sel, mais on va d'abord tout faire pour qu'il n'y ait plus de remontée capillaire. Donc, c'est la petite méthode, ce que j'ai présenté tout à l'heure, d'accord. Ben, on va frotter un petit peu pour que le salpêtre parte et on va peut-être être intéressé pour le salpêtre ou d'autres sels par faire ce qu'on appelle un enduit assainissant, voire un enduit sacrificiel. D'accord? Donc ça fait où vous pouvez faire des tampons avec de l'argile, des choses comme ça. C'est-à-dire que pour les sels, il y a une méthodologie particulière et ça dépendra du type de sel. Donc je n'ai pas de solution simple à apporter là par rapport, spécifiquement par rapport au salpêtre. Et le salpêtre, il y a pire, hein. Le salpêtre, c'est pas un sel expansif, parce que vous avez certains sels qui remontent avec les remontées capillaires et qui, là où l'eau ascensionnelle, quand elle s'assèche, d'accord, eh bien le sel gonfle et ça déstructure l'enduit. D'accord? Le salpêtre n'est pas un sel qui gonfle comme ça, donc il fait moins de dégâts. Alors, j'ai vu une question passer en direct sur le sujet, mais elle a disparu. Mais est-ce que, je pense que c'était sur le sujet de la qualité de l'air intérieur, est-ce que le salpêtre engendre une problématique de qualité de l'air intérieur? Je dirais oui, mais il y a pire. C'est-à-dire que ça contrarie la chose, mais je dirais, est-ce que c'est pas parce qu'il y a de l'eau qui vient du sol, qui arrive dans l'espace de vie, est-ce que ça ne va pas gêner plus que le sel qui monte avec cette flotte? C'est-à-dire que pour moi, c'est un signe, c'est un élément. Les remontées capillaires sont un élément qui contribue à la dégradation de la qualité de l'air intérieur. Le fait qu'il soit accompagné de sel n'est qu'un élément complémentaire. Sujet ITE, ITI. Bonjour, y a-t-il des risques de condensation si on réalise une ITE sur un bâtiment qui possède déjà une ITI? Par exemple, une dizaine de centimètres d'un isolant ancien. Est-ce que c'est pertinent de réaliser un ITE sans enlever l'ITI existante? Alors, la réalité, c'est qu'on ne va pas s'amuser à enlever l'ITI des dizaines de millions de bâtiments qu'on a construits depuis les années 70. C'est-à-dire que on va rajouter une ITE. L'ITI, comme j'ai présenté tout à l'heure, vous avez vu que l'ITI, c'était pas cool vis-à-vis de la gestion de la vapeur d'eau. Alors que l'ITE est plutôt un système rassurant, parce qu'en isolant par l'extérieur, c'est le contraire de ce que je vous ai montré tout à l'heure. En isolant par l'extérieur, le mur support devient chaud. Il n'est plus froid l'hiver. Donc, il n'est plus objet du point de rosée. D'accord? Donc, compléter vis-à-vis de cette problématique de gestion de la vapeur d'eau, mettre une ITE en complément d'une ITI, c'est plutôt rassurant.
on bascule d'une, on s'éloigne d'une situation à risque, l'ITI, pour arriver à une situation plus simple, l'ITE. D'accord? Mais par rapport à ça, je mettrai, je pense que, en tout cas, je ne sais pas comme Samuel, vous êtes organisé avec les replays, tout ça, mais je mettrai bien, suite aux questions-là, quelques ressources complémentaires qui répondent à certaines questions. C'est-à-dire qu'il y aura sur chaque thématique, je pense, une diapo avec quelques ressources complémentaires. Et là, je mettrai une note que j'ai rédigée mi-2023 sur le sujet. Et je sais que l'AQC, vous aviez fait suivre cette note auprès de votre réseau. Et effectivement, je repère cette problématique-là. Mais rassurez-vous, enregistrer que, sauf si vous avez des remontées capillaires, donc là, on oublie l'ITE en complément d'une ITI, pour les zones dans lesquelles il resterait des remontées capillaires, mais excepté ces situations-là, enregistrer que rajouter une ITE à un mur précédemment isolé côté intérieur, c'est plutôt se rapprocher d'une solution facile et saine à gérer. Ok, merci. Donc, pour répondre à ta question et aux quelques questions que je vois passer aussi, donc oui, la présentation elle va être mise en replay donc sur la chaîne YouTube de l'AQC. Et donc, dans la description de la vidéo, on a pour habitude de mettre des liens vers les. Je remettrai les liens notamment qu'on a mis dans la conversation là. Et puis, du coup, Samuel, tu pourras nous faire passer les liens que tu souhaites ajouter dans la présentation de la vidéo. Donc, voilà, il y aura la possibilité d'aller plus loin. Je vois que le temps passe, on doit se libérer pour 13h30. Ce que je vais faire, c'est que je prends essentiellement les questions qui sont d'ordre générique, puisque je vois qu'il y a quand même pas mal de questions qui sont sur des problématiques très particulières, sur des sujets qui demandent voilà, un travail de professionnel sur l'analyse de la situation. Je vais regarder plutôt des questions voilà, où Samuel pourra rapporter une plus-value là-dessus. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Sur l'épaisseur optimale d'isolation, pourquoi ce sont les premiers centimètres d'isolant qui isolent le plus? Ben, c'est un phénomène physique, c'est comme ça. C'est-à-dire que voilà, les premiers centimètres changent radicalement le comportement. Donc la courbe du U, elle chute et après, elle se stabilise comme ça. Donc c'est un phénomène physique. Je n'ai pas l'explication physique de ce phénomène physique-là. Mais c'est ainsi. C'est-à-dire que quand vous, je dirais, pour... non, sans la courbe, c'est difficile à expliquer, mais enregistrer que c'est la courbe du U, donc la conductance de la paroi, qui renseigne sa performance. Et regardez une courbe de U, et effectivement, vous verrez que les 10 premiers centimètres changent radicalement la chose par rapport aux 10 suivants, aux 10 suivants, aux 10 suivants, etc., etc. Ok, sur mur ancien en pierre recouvert de ciment, d'écrouter les pieds de mur sur 1,50 m suffit-il? La question est trop générique pour amener une réponse par rapport à ça. Et j'en profite pour dire que quand les bas de mur, la partie enterrée et les 15-20 premiers centimètres, ce qu'on appelle la zone de rejaillissement, sont à gérer différemment que la zone qui est au-dessus. D'accord. Donc, de toute façon, peut-être que d'écrouter est une bonne chose. En général, c'est une bonne chose de déposer les enduits ciment, surtout quand on est dans une dynamique d'isolation par l'intérieur. D'accord. Mais faut-il d'écrouter toute la façade ou pas, ou seulement le bas de mur? Ça dépendra de la situation, ça dépendra de l'état, la fragilité du mur à l'eau, ça dépendra de l'orientation de la façade, ça dépendra de l'état de l'enduit. Et j'en profite pour repréciser que l'enduit est souvent différent dans la partie basse entre ce qui est enterré et la zone de rejaillissement avec la partie qui est au-dessus de 15, 20, 25 cm où là on a l'enduit de la façade courante. Ok, alors j'ai mis de côté, hein, c'est volontaire, je suis désolé pour les personnes qui ont posé les questions, mais toutes les questions qui sont en lien avec des caractéristiques de matériaux, je vous invite peut-être à bah, notamment aller sur le site de l'ARCA, notamment tu dis que tu as une base matériaux, etc., qui permettra ouais. de,
de trouver des réponses. Je pense que globalement, voilà, forcément, c'est des sujets qui viennent quand on parle de ces sujets-là, mais c'est des réponses qu'on peut trouver assez aisément, j'ai envie de dire, sur voilà, dès qu'on creuse un petit peu sur des bases matériaux, etc. Donc, je ne prends pas ces questions-là. Ensuite, bah, je vois qu'il y a pas mal de... Il y a des gens qui ont répondu, en fait, à des questions, donc c'est très bien aussi. Ça, on en a parlé aussi, du salpêtre. Comment gérer l'interface isolation sous rampant ITE paroi extérieure? Un retour d'isolant ne traitant ici pas le pont thermique. Alors, avant que Samuel donne une réponse sur ce sujet-là, et peut-être que ce sera le dernier puisqu'il est 13h30, on travaille actuellement sur un programme qui s'appelle Interface. Et typiquement, c'est ce genre de situation qu'on va essayer de balayer le plus possible. On a fait un gros travail d'identification de manière exhaustive de toutes les interfaces qui peuvent exister en termes d'enveloppe, etc. Et on est en train de travailler sur 100 solutions pour traiter ces interfaces. Donc je te laisse Samuel répondre sur ce sujet isolation sous rampant ITE. Alors, je m'excuse parce que je regardais en même temps les questions. Alors, je vais répondre en une minute à deux questions que j'ai vues et puis tu me reposeras celle-ci parce que je lisais pendant que tu as posé la question. Donc, simplement deux questions, je crois, d'importance. Donc, j'en profite. Les deux dernières questions que je viens de voir. Peut-on projeter un enduit diatonite sous sous-face d'un plancher bas? Vite sanitaire, pas forcément. Il y a des isolants qui se collent. Pour moi, un enduit, ça se met là où un enduit isolant, ça se met là où on a l'habitude de mettre un enduit. Et dans les autres endroits comme là, il y a d'autres matériaux, solutions techniques qui existent. Et puis une question hyper importante qui a été posée, est-ce qu'il existe un autre outil similaire à Ubacus, qui est un logiciel qui est proposé, super bien fait pour calculer le une paroi? D'accord, donc Ubacus, ok, bravo, c'est génial, ils ont plein de matériaux renseignés pour calculer le U, mais pour calculer la pertinence vis-à-vis de l'humidité, Ubacus utilise une méthode de calcul qui est gratuite, mais qui n'est pas juste. D'accord, donc dans Ubacus, bravo, ils ont un super site, tout ça, pour renseigner la valeur U. Mais sur la note humidité qu'ils donnent, ils nous font faire 40 ans de repartir 40 ans en arrière. Donc, si vous jurez que par Ubacus pour définir si votre paroi est pertinente d'un point de vue humidité, vous allez sans doute faire les erreurs qu'on a faites dans les années 70-80. Et repose-moi la question. Donc, c'était ITI et puis. Ouais, d'aborder la question de l'interface ITE avec isolation sous rampant. Ah. Donc c'est une question de continuité en fait d'isolation. Alors là, il faut faire un petit plan de détail pour voir comment est-ce qu'on passe la. Si on a une toiture ou un rampant, il faut voir comment on passe la sablière. Donc il y a deux soucis, c'est comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait une continuité d'isolant, mais aussi en amont, comment est-ce qu'on fait pour côté chaud, dans la partie chaude, comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait une étanchéité à l'air. Donc il y a deux problématiques à avoir. Et moi je sais que je suis très visuel, donc là c'est un peu frustrant parce que vous voyez, je parle vite parce que le temps est compté, et puis je sais qu'il y a plein de questions, des choses comme ça. Mais ça c'est vraiment, il faut faire faut prendre son crayon, il faut faire le croquis, et il faut se dire, bon, ben, on fait comment pour que la continuité à l'air, l'étanchéité à l'air, elle soit réelle. Voilà. Et il faut peut-être entourer la panne sablière, et sachant que pour l'ITE, la couche qui fait l'étanchéité à l'air, c'est le mur support et entre autres son enduit extérieur. D'accord? Donc il faudra sans doute gérer une continuité entre mon pare-vapeur, frein-vapeur qui est en dessous de mon isolation toiture, d'accord? De mon isolation haute, et l'enduit de façade, l'enduit extérieur de façade. Et puis après, il faudra voir comment faire pour qu'il y ait un minimum d'isolation, de continuité d'isolation entre l'isolation de la toiture et l'isolation des murs. Voilà. C'est pas impossible, mais effectivement, tous ces détails techniques, il faut y penser avant pour pas être surpris sur le chantier en disant, aïe, 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 c'est pas comme ça qu'il aurait fallu que je commence ma prestation parce que j'ai plus la possibilité de faire telle ou telle chose. Ok, peut-être une dernière et puis on va clôturer là-dessus. Mais je la lis en même temps, je ne sais pas. Bon, je la lis. Les blocs capillaires type Multiport ou Tectem sont tantôt présentés comme des systèmes d'isolation à capillarité active, tantôt comme des blocs hydrophobes et imperméabilisés. Les deux aspects capillaire imperméabilité ou imperméabilisé peuvent paraître contraires. Est-ce que tu as
Des éléments pour éclaircir ce sujet ou ça ne te Alors, parle pas? la question est posée et effectivement, c'est une réalité qui peut nous paraître contre-intuitif. D'accord? Sauf que traiter hydrophobe, c'est un traitement de surface. D'accord? Et ça, c'est simplement pour que les grosses gouttes d'eau perlent en contact avec le matériau. Alors que quand on parle de capillarité, ce n'est pas des grosses gouttes d'eau, c'est de la micro-gouttelette à l'intérieur même du matériau. Donc ce n'est pas parce que votre matériau est traité hydrophobe qu'il n'est pas capillaire, voire très capillaire. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. Merci à toi, Samuel, du temps passé sur ce sujet-là et puis du jeu des questions-réponses, hein, parce qu'on ne sait jamais la technicité des participants. Donc, des fois, il peut y avoir des questions un peu pièges, mais voilà, le but, c'est de trouver les réponses au mieux. Donc, merci beaucoup. Et puis, voilà, restez informés sur la disponibilité du replay. De toute manière, toutes les personnes qui se sont inscrites, vous allez recevoir un petit mail de remerciement et on vous mettra le lien du coup de la vidéo en replay dès qu'elle est disponible. Voilà, merci à tous et bonne journée. Bonne journée à vous, au revoir, merci.